بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد حياكم الله وبياكم اليوم بإذن الله نشرح درسا أو حوارا قصيرا يجري بين جان وعماد وعنوانه المسلم يهتم بالنظافة Aujourd'hui, nous allons expliquer un petit dialogue qui se déroule entre Jeanne et qui a pour titre « El Muslimu Le muslimo, le musulman se préoccupe de la propreté ou se soucie de la propreté ou porte de l'intérêt à la propreté. C'est le verbe se soucier de, porter de l'intérêt à. Et on l'utilise avec la harf « bi ». Et selon le contexte, le sens peut changer. Exemple, si on dit ⁇ Ummi ⁇ cela signifie que Mohammed a été euh, attristé, chagriné par le décès de sa mère. Et ⁇ min c'est un dérivé... Euh, du mot ham. El ham, c'est le souci. Ça peut avoir comme signification la tristesse, le chagrin. c'est la propreté. Alors, John, il y a qu'il est bon le parfum que tu utilises aujourd'hui, Ahmed ma ça c'est ce qu'on appelle un style d'étonnement sira on va appeler ça ma le ma de l'étonnement ensuite firl at le verbe de l'étonnement et el min ce de quoi nous sommes étonnés en l'occurrence ici le parfum John il est étonné de la bonne odeur du parfum de Rimet. Et ça, Inch'Allah, nous allons le voir par la suite. Et il se peut que dans le cours 67 ou 66 ou 68, Wallahu j'ai oublié, je vous ai dit que cette surah, ce style, on appelait ça Ismutafdil. Wallahu j'ai un doute. Mais si j'ai dit ça, c'était une erreur de ma part. Parce qu'avec le ma et avec le final qui suit, ce style-là, on l'appelle Tadjob Wallahu Du coup, il nous dit qu'il est bon le rite, le rite c'est le parfum, et le jama c'est le retour. Et le, le fait de se parfumer, le firl on va dire ta'attara. Ta'attara. Muhammadun bi rin Ala il mithal Et le rite, ça ressemble également au tib, on peut dire tib aussi pour dire parfum. A tib. Tastarmi tastakhdimuhu »« que tu as utilisé. Elle l'a dit, c'est Ismo nous allons le voir dans les cours prochainement, une chance. lui répond, Shukran John, merci, John. John lui dit, Araka tahtammu binnawa je vois que tu te préoccupes beaucoup de la propreté, ou de l'hygiène, si on peut appeler ça comme ça. Rimed, qu'est-ce qu'il dit? Haqqan vraiment totalement. al-islam al Car l'islam enjoint le musulman à la propreté. Hatha Yahuthu, c'est le fait de enjoindre une chose, appeler à recommander. Et on l'utilise avec a'ala. Fir al dit « biharf 'ala. Exemple, on peut dire J'enjoins mes enfants à accomplir la prière. John lui dit Il lui dit Est-ce que tous les musulmans se préoccupent de la propreté comme toi, comme toi lui répond Naam, oui. Lianna ala kulli muslimin anyatawarba wayarata sila wa pahar Il dit oui li anna car ala kulli muslim il incombe à chaque musulman anyatawarba de pratiquer ses ablutions, d'accomplir ses ablutions wayaratasilla de faire de se laver wayarata sila wayata pahar et de se purifier. C'est le fir qui signifie faire ses ablutions. c'est le fait de se laver ou d'accomplir les ablutions majeures. se purifier. John répond Cela est la purification ou la propreté du corps. El jism. Et qu'en est-il de la propreté du malbès, des vêtements Le musulman se préoccupe de la propreté des vêtements. Comme il se préoccupe de la propreté et de l'hygiène de son corps. Fatakun et ses vêtements sont toujours propres. c'est ses vêtements narifaten, sont propres. Exemple, on peut dire elmakan nardif l'endroit est propre. Et ici nardifatenda, revient au thiab c'est le khabar kala. Et Fiab, c'est Ismou Khan. John répond Firlan, vraiment amrun La propreté est une chose importante chez vous, en gros chez vous les musulmans. Ahmed répond thalithun minan Il y a un troisième genre de propreté et d'hygiène. Un nawa, c'est un genre. Et le jem c'est wa'. -a. John répond, mahua. Quel est-il? Ce troisième genre. Rimed répond, qalb. la propreté du cœur. Vous voyez, mudaf, mudafou Ilay. nardafatou el qalbi, mudafou ilay. Wa alama jarrihi jarrihi, el kassara al zahira. Ce qui nous prouve qu'il est euh, majrour, c'est le kassara al-vahir, le kassara apparente. John répond Mada On peut dire Madha aussi. Qu'est-ce que tu entends par là Il dit al-muslimu, al, narif al -qalb. Le musulman, il incombe, Yajib, il incombe, c'est un devoir que le musulman soit Narif propre du cœur, pur du cœur. « An » on avait dit c'était quoi ?« Mina an-nawasib » parmi les « les outils qui rendent el les le mudari mansoub » c'est pour ça qu'il est venu l'impacter comme on a vu dans le dars précédent et on n'a pas dit « nous, mais « yakouna » vous voyez que « kana »« alame »« nasbihi el-fathah ce qui nous prouve qu'il est Bien, Mansoub, c'est le fatha, bien apparent. Donc, il lui dit c'est un devoir que le musulman soit propre et pur au niveau de son cœur. Et il aime le bien pour son frère. C'est le fait d'aimer. Allah subhanahu wa nous dit dans le Coran. Si vous prétendez aimer Allah, alors suivez-moi. En gros, suivez le prophète. Il aime, du coup, il aime le bien pour son frère. Comme il l'aime pour sa propre personne. Et ça, ça nous fait rappel le hadith. Personne d'entre vous n'aura la foi complète jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui. John répond Shukran y'a Merci, J'ai certes appris de toi beaucoup de choses aujourd'hui. wa wa il

و هكذا التدريب الثاني رتب الجمل التالية كما وردت في الحوار. Ici vous demande «dordonner de classer les phrases suivantes comme elles sont venues dans le dialogue» مفردات كوّن جملة من كل كلمتين لا تقل الجملة عن ست كلمات. Ici, il vous demande de formuler des phrases avec les deux mots que vous avez et que la phrase ait au minimum six mots. Exemple, on va faire le petit 1 ensemble. Yatawadda'u, en> un mot. Muhammadun, <t 'en> deux mots. Wa <t> ibnuhu, <'en> trois mots. Li, ada, is quatre, cinq mots pour l'accomplissement de la prière fi dans el Masjid an Nabawi dans la mosquée du prophète alayhi salat wa salam fi al Madinah al Munawwara à ici at-tadrib imla' il faragha bi kalimatin munasibatin aw akthar ici on vous demande de remplir l'espace vide par un mot ou plus al muslimi ala kulli muslimin an yahtam bin nadhafati ala kulli mudarris an yurabbi at-tullab ala as c'est un devoir que chaque professeur éduque ses élèves à être véridique ala kulli abin c'est un devoir pour chaque père يحسن الى اولاده كي ليكسلون فيغ سي وهكذا ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك